j'étais dans le sanitaire et social, ça me plaisait plus et j'ai toujours voulu faire en fait un élevage de chèvres et voilà, du coup j'ai voulu me lancer et je me suis au départ inscrite en fait sur internet sur le centre Alpa. Après on m'a proposé de faire ADEMA. Ça permet de faire un premier pas quand même sans se lancer directement un an dans l'école quoi. Ça motive quoi. Après j'y connaissais vraiment rien donc voilà, ça m'a apporté plein de choses quoi, plein de connaissances que j'ignorais totalement quoi. Ça va de la production à l'élevage et puis jusqu'à la vente quoi, et tout fait partie de l'agriculture quoi. J'ai trouvé une petite structure, j'ai vu plein de choses, la traite, la transformation des fromages, le cahier, mettre la présure, tout ça. Après j'ai coupé les onglons, voilà, j'ai bouclé les chèvres, faire une clôture électrique, les emmener en pâture aussi. Et il m'a laissé faire pas mal de choses autonomes quoi. Il faut le tenter et puis justement ça permet de faire un premier pas et de confirmer un peu nos envies en fait. Et moi je souhaite faire le BPREA et en formation continue pour septembre. Et après je souhaite m'installer, faire mon propre élevage quoi, avec transformation fromagère. Je suis pas du tout du monde agricole. C'est voilà, c'était j'ai toujours aimé les chèvres, du coup je me suis lancée et ça me plaît.